Good morning, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Kolod Yisrael Ben Fortune Mazal et Olga Bat Sol Vanish. Si vous souhaitez vous aussi l'aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions un certain Nid Perek Gimel, Mishnah Hey. Al Elo Matrin Bechol Makom, Al Ashidafon, Ve Al Ayerakon, Ve Al Haarbe Ve Al Echassil, Ve Al Achaya Ra'a Ve Al Acherev. On est toujours dans le sujet des différentes catastrophes, naturelles ou même pas naturelles, comme on va voir dans notre Mishnah maintenant, qui peuvent frapper une ville, un pays, et selon le cas, est-ce que c'est ici, il y a ici une cause naturelle effrayante, terrifiante, qui est menaçante surtout, menaçante qui est signe. Minachamim, on nous reproche quelque chose à titre général et qui va nous imposer à tous de nous réunir pour faire des tfilotes particulières et pour faire un jeûne public, trois jeûnes publics comme ce qu'on avait vu. Et donc maintenant, on a donc toute une série de Mishnah maintenant où on s'intéresse à savoir est-ce que ça s'appelle qu'il y a une réelle épidémie dangereuse, est-ce qu'il y a une réelle catastrophe qui concerne tout le monde ou c'est nekudati, c'est ponctuel sur telle personne ou sur telle famille, mais ça, il n'y a pas ici lieu de tirer toutes les armes, de réunir tout le monde pour un problème personnel. Donc ça, c'est le sujet de notre Mishnah, avec des nouveaux cas de figure. Al elu matri'in bechol makom. Telles sont les choses sur lesquelles on va être matria, et plus précisément, on va jeûner et imposer les tfilotes particulières, là, qu'on a pris pour la taniot. Donc trois jeûnes avec les tfilotes, on va prier dans la rue, en mettant la cendre sur chacun sur soi, et puis en rajoutant, en faisant le Shemona Esrei avec tout, Mishana Lavan Avinu, Bara Moria et tout ce qu'on avait vu, avec le chauffard et tout ça. Donc, telles sont les épidémies ou catastrophes pour lesquelles il faut, tout le monde est concerné, c'est-à-dire tout le monde, peut-être toute la contrée, tout le pays, pas que la petite ville qui est concernée elle-même. Imaginez, il y a à proximité d'ici, il y a une petite ville qui a eu ces types de problèmes-là qui sont là, ça nous concerne à tous. Alors telles sont les choses là sur lesquelles il faut tout de suite faire réunir et faire des Ta'anit Tzibur et prier Hachem. Eh bien, à la Shidafon, sur le Shidafon, alors je n'ai pas cherché comment ça se traduit. Je vais vous expliquer tout simplement, c'est Shidafon et Irakon, selon la première expression de Bartenora, ce sont deux types de maladies qui vont frapper les récoltes. Shidafon, il y a un vent particulier qui vient, qui secoue les épis de blé et qui fait tomber les graines qui les emportent. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des épis de blé qui sont vides. Il ne va plus avoir de blé. C'est la catastrophe, ça va être la famine. Yerakon, cette fois-ci, alors il rapporte, je ne sais pas exactement ce que dire, mais c'est les récoltes qui ont eu un coup de chaleur et qu'elles ont pâli. J'imagine que ça va sortir un mauvais grain. Il y a une autre interprétation qu'on parle, c'est une sorte de maladie qui frappe je sais pas, c'est la digestion plutôt là. Je ne sais pas exactement quel type de maladie, mais en tout cas qui fait qu'on prend un teint verdâtre. À la Arbe va les Chassil, et Arbe et Chassil, ce sont deux espèces de sauterelles, et ça arrive encore en Israël, ça peut encore arriver, on n'a aucun moyen naturellement pour lutter contre. Et là, ça passe et ça dévore tout. Malgré tout, il y a aujourd'hui, je crois qu'il résout le problème un petit peu plus à la source, mais en tout cas à l'époque, à Yerushalayim, il y a encore 100 ans, c'était la terreur. Est-ce qu'il y a d'avoir une épidémie de... Vous imaginez, il y a toutes les récoltes qui disparaissent d'un coup, quoi. Face au Khalila. Vala Khayara, et aussi sur les bêtes féroces qui entrent dans la ville et qui dévorent des gens. Alors la Gemara précise exactement, ils doivent rentrer, s'ils rentrent dans la ville. Ils n'ont plus peur des hommes. Il n'y a aucune crainte. Ils voient deux hommes, ils continuent à marcher, puis ils sont capables de bouffer une personne, un enfant, devant des adultes, sans aucune gêne. C'est que dans ce cas-là, on a un grave problème, c'est qu'en ce moment, une plaie, la plaie des bêtes féroces, tout simplement. V'alacherev et même aussi sur l'épée. C'est quoi l'épée? Alors il précise de le Bartanora qu'on parle qu'il y a des bastions. Il y a des militaires qui passent dans notre ville pour partir d'un côté et de l'autre, simplement à traverser, sans faire la guerre dans la ville. S'ils sont là, ça peut péter à chaque instant. Il faut déjà se soucier de prier. Et pas que dans la ville, même pour tous les gens qui sont autour. Si c'est la guerre, ça peut partir
ça peut dégénérer complètement. Donc c'est le moment de faire tous ceux qui peuvent être concernés par ça. Ça peut facilement se propager de partout. Donc il faut tout de suite faire toutes les tfilotes. Et donc dans tous ces cas de figure, matrein aléa, on fait tout de suite. Matrein, c'est quand on sonne l'alarme. On sonne le chauffard, on va faire des tfilotes particulières avec les jeunes aussi. Les jeunes se précisaient dans le Tosot Yom Tov, au début de la Mishnah, que matrein aléa, on tire tout de suite les alarmes pour faire les tfilotes tout de suite, dès que ça commence. Même ceux qui ne sont pas dans la ville, même ceux qui sont à l'extérieur, ils doivent tout de suite le faire. Alors je ne sais pas maintenant avec la guerre ukraine, truc, qu'est-ce que ça implique qui, quoi, exactement, les Polonais, toute l'Europe, je ne sais pas exactement, on n'est pas en train de trancher, en tout cas, tous ceux qui peuvent facilement être, qui peuvent glisser dans le conflit, et ça peut dégénérer, eh bien, ils ont le devoir de tout de suite se réunir, imposer les jeunes, et prier aussi. Pourquoi ? Mipnei shehi maka mehalechet. Parce que c'est une plaie mobile, j'ai traduit ça. Maka, c'est une plaie, mais alechet qui se déplace, elle est mobile. C'est-à-dire, c'est une plaie mobile. C'est une catastrophe qui peut facilement se propager aux alentours. Donc, dans ce cas-là, ça implique que tout le monde doit se réunir pour prier Hachem, pour qu'il annule la xéra et qu'il écoute les tfilotes. Et qu'Hachem écoute toujours nos tfilotes, les autres Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.